gen nèg ki marié avec yon fille, lèl fin marié avec fia, les collègues li la, li rot présenté madame. Lè nou pral marié, si niveau éducation nous gon gros différence nan niveau d'éducation nous, faut nous parler de ça. Faut nous parler de ça. Pour nous comment à remédier ça. Pas nous seulement dire nous remet yon l'autre. Pas nous seulement dire qu'on ça nous gagne Jésus. Et puis nous pas parler. Faut nous parler de ça. Ça fait ça. Parce que gen nèg qui marié avec yon fille, lèl fin marié avec fia, les collègues li là, li rot présenté madame. Oui. Même j'en ai fait tout qui ont mari au gain. Oui. Donc les gain deux mouns qui mariés, une bi éduqué par son l'autre. Les yon en discussion dans le cas là, yon fâché. Sak bi éduqué a commencé à utiliser un série de gros mots pour le jouer. L'autre là pas comprendre. Est-ce que ma vraie dit m'amen? Si malheureux à pas parler anglais, bien, ou mitrailler l'estomac avec bel mot anglais. Nous songeons, l'homme de fait commencer ici, je suis étudiant à l'école là. Mais monsieur, tu es étudiant à l'école, même monsieur, généralement, monsieur parle créole. Mais depuis qu'on discute dans la classe là, et là je suis fâché, monsieur commence à parler français. Depuis monsieur fâché, monsieur commence à parler français, là, etc. Et puis on sait de français ancien, bagaille, racine, bagaille, connaît. Monsieur a parlé de gros français, etc. Bonjour, monsieur, je me dis, monsieur, je ne comprends pas. Bon, ça, ici, c'est un la caille, vous parlez créole. Même moi, depuis fâché, moi, je conseille de français 17e siècle, quoi parler. Je me dis, monsieur, ça fait ça. Monsieur dit, pour mêler. Mais, ouais, bon, voilà. Donc, il y a des gens qui n'ont pas, depuis le fâché, ils parlent en langue que l'autre n'a pas compris. Pour le mêler. Il y a des gens qui, l'autre monde est plus éduqué, leur a fait conversation, même si ce n'est pas l'autre monde qui a honte de lui, lui-même, il a honte de tête, il a caché. Parce que le pas senti le cas ouvert bouche lui, dis-moi réalité. Aïe aïe aïe. Réalité. Même pas bon l'évangile dans le nuage là. Même pas bon l'évangile. Ou quoi, même pas bon. Ma bon l'évangile réel. Il y a des gens qui marient avec un monde, les amis, même si ce n'est pas un monde, lui-même, il ne veut pas entrer dans la conversation, il a le caché. Et puis, tôt ou tard, il y a un problème de mariage. Là. Donc, tout ça, c'est renard, c'est écart qu'on a besoin de prêter attention avec eux.